Alors bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau démocrate hebdo. Alors aujourd'hui, on va, on va parler d'Europe et, et donc pour ça, on a deux, deux invités distingués. Je commence évidemment par à côté de moi, Sabine Tillet. Donc vous êtes députée de la cinquième circonscription d'Indre-et-Loire et présidente de la Commission des affaires européennes. Pardon. Merci. Merci d'être avec nous. Et donc Frédéric Petit, député de la 7e circonscription des Français établieurs de France et membre de la Commission des affaires étrangères. Bonjour, bonsoir. bonsoir. Euh, alors, je vais commencer par une, une question d'actualité. Euh, Aujourd'hui, euh, le, le, le Parlement européen vient de voter, euh, donc pour euh, les, autoriser les lois et les, pardon, les, les candidats euh, transnationaux et, euh, aux élections européennes, et qui s'appliquera donc pour les prochaines élections européennes. Une réaction. Euh, c'est une très bonne initiative qu'on peut, ne on peut que se féliciter. Si un jour on veut arriver à plus d'intégration, on a besoin aussi... Euh plus de monde euh, divers, plus de candidats divers euh, des différents États membres de l'Union européenne. Mais attention, euh, le cadre juridique, il n'est quand même pas si simple que ça, parce que nous avons un article 223 du traité de, euh, sur le fonctionnement de l'Union européenne qui demande quand même une position du Conseil, l'unanimité euh, même, et ensuite, il faut une ratification aussi dans les États membres. La dernière fois que le Code électoral du Parlement européen, enfin, sous initiative, du Parlement européen a été changée, ça a été mis dans les tuyaux donc en 2015 et le Conseil a adopté une position qu'en 2018, ce qui, in fine, n'a pas permis d'adopter de nouvelles règles en 2019. Donc, il y a encore pas mal de travail, mais on ne peut que se féliciter de cette initiative. Frédéric Petit, vous qui êtes au, au PDE, je pense que c'est Sandro Godzi qui a été élu sur, sur les listes Renew ici en France. C'était déjà un, 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 premier, un, premier, un premier pas fait. Quelle est votre réaction par rapport à cette. Là, c'est bon Voilà. C'est d'autant plus légitime de citer Sandro Godzi qui a été effectivement. Un des exemples, parce qu'il y en a eu beaucoup, un des exemples de, 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 de gens qui ne sont pas français, qui étaient sur une liste française, et puis il y avait des français sur des listes ailleurs. Moi, j'ai voté aux européennes pour une liste polonaise il y a, il y a en 2009. Euh, et surtout, c'est Sandro qui, a été, euh, qui, est, qui est donc secrétaire général du Parti démocrate européen et qui porte le projet, qui a été rapporteur du projet au Parlement, et c'est aussi une victoire personnelle de Sandro que ce vote ait été, été réalisé. Vous savez, moi, ça me touche beaucoup, parce que je suis, évidemment, dans, dans, dans ma circonscription, je suis constamment en lien avec des, avec des, 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 des parlementaires étrangers, avec des parlementaires euh, mmh. qui, qui vivent étrangers, mais qui vivent en France, etc., Donc, Très souvent, on discute de, cette, de ce côté, de, de ce que la bicitoyenneté pourrait mieux représenter dans la construction européenne. D'accord. Sandrine télé, vous aviez quelque chose à rajouter voulais voulez juste te dire, moi j'ai la double nationalité, je suis euh, franco-allemande, non, mais oui, la... et euh, j'ai eu l'honneur d'avoir été élue euh, en France euh, députée française. Ça aussi, c'est un pas, je dirais, euh, en avant, parce que je suis souvent on tendance à dire je suis vraiment un produit appellation d'origine contrôlée, puisque deux parents français éduqués en Allemagne, une formation allemande, et finalement euh, arrivés il y a 39 ans en France. Et c'est vrai que pour la compréhension de l'autre des différents euh, systèmes aussi euh, d'organisation euh, qu'on a dans nos états ce serait bien si on pourrait euh, effectivement à ce niveau là aussi d'avoir beaucoup plus de, de binationales. Ou binationaux, pardon. Tout à fait. Bon, on espère que ça, ça continuera dans ce sens-là. Euh, bon, on va aborder tout de suite des sujets qui sont moins, moins gais, malheureusement, que ces, que ces avancées européennes, mais qui ont aussi malheureusement permis des, des, des avancées européennes. Euh, C'est évidemment le conflit, le conflit en Ukraine. Et, euh, et donc, une, une, question, une question très simple sur l'Ukraine et, et l'Europe. On se souvient du président Zelensky qui, qui signait sa demande d'adhésion dans le palais présidentiel entouré de sacs de sable en pleine résistance. Euh, ma question, elle va être très, très pragmatique. Est que, euh, est comment se passe le, pro, le processus d'adhésion et est-ce que l'Ukraine a la, la capacité de devenir un membre de l'UE Et puis ensuite, on pourra étendre la question sur la Moldavie et la Géorgie, mais en tout cas, en ce qui concerne l'Ukraine. C'est une question euh, très compliquée parce qu'en euh, réalité, on a envie de dire oui tout de suite. À une adhésion de l'Ukraine, je veux dire, tout simplement humainement, euh, pour pousser et aussi de dire ben, l'Ukraine, c'est aussi un État européen, mais nous avons quand même des règles. Et ces règles-là, euh, nous sommes dans un ensemble de droits, les règles, il faut qu'on les respecte. Il n'y a pas de procédure euh, accélérée pour une adhésion, ça n'existe pas. Il y a un acquis communautaire qu'il faut quand même intégrer et, euh, et pas simplement d'une manière quantitative, aussi d'une manière qualitative. La Commission est étudie actuellement euh, s'il est possible de donner le statut de candidat à l'adhésion mais nous avons aussi la Géorgie et la Moldavie qui ont fait la même euh, demande et nous avons aussi euh, des états qui ont déjà le statut de candidat et qui euh, comme euh, la Macédoine du Nord, l'Albanie euh, euh, même euh, même la Turquie euh, en exemple et, et certaines nous disent euh, ah et c'est mes collègues qui m'ont dit ça. Est-ce qu'il faut mourir pour pouvoir adhérer à l'Union européenne. Donc c'est très compliqué. Hein, de, de... Mais je trouvais assez intéressant euh, ce qu'a récemment évoqué Enrico, Enrico Letta, donc le président de l'Institut Jacques Delors et ancien président du Conseil euh, italien, de dire est-ce qu'on pourrait éventuellement imaginer une confédération en gardant le noyau dur, l'Union européenne, et une confédération euh, euh, avec ces États. Mais je pense qu'il faut qu'on leur propose quelque chose euh, dans tous les cas. Tout à fait. Frédéric Petit, je vais, je vais un petit peu avancer sur, sur la question. La, la guerre a commencé depuis maintenant trois mois euh, avec ben, plus de 2,5 plus de, millions et demi de, de réfugiés en, en Pologne, là où, là où vous habitez. Euh, on, a tous, on a tous vu euh, tous les efforts que vous avez déployés pour, pour aider, pour acheminer euh, l'aide humanitaire. Est-ce que vous pouvez, est -ce que vous pouvez nous, en, nous en parler un petit peu et, et nous établir un petit peu la, la, la situation sur place Bien sûr. Donc euh, déjà, euh, j'ai eu moi le sentiment de d'inventer, de, euh, de réinventer le, le travail d'un député en temps de guerre, ce qui n'était pas prévu au départ, on va dire. Voilà. Donc c'est effectivement assez, euh, ça a été assez impressionnant, assez assez fort. Alors la situation sur le terrain est, est assez particulière. Je, je vais d'abord la décrire sur le plan militaire parce que c'est des choses dont on parle. Euh, peu et qu'il faut suivre tous les jours, c'est assez prenant, donc je le fais. Donc effectivement, euh, et les forces russes ont été, euh, ont été euh, contrées, je pense, euh, manifestement comme elles ne l'attendaient pas. Euh, on, a eu, on est en train de vivre une bascule, donc il faut être très très prudent euh, sur euh, la résistance, etc. On est en train de vivre une bascule <coughs> qui dure depuis maintenant 15 jours sur... Le fait que les premiers militaires russes étaient des appelés, étaient des gens très peu expérimentés, euh, avec une, des chaînes de commandement qui ne marchaient pas, et que ça, manifestement, euh, la Russie a, a compris que ça marchait pas, et donc on est en train de d'inverser, et le temps qu'on, le temps qui est un peu gagné en ce moment pourrait servir pourrait servir à ça. On a aussi quelque chose qu'il ne faut pas mésestimer, c'est le travail sur lequel la Russie est toujours très forte, bien en avance sur nous, qui est le travail de communication, le travail de, de présentation, de narration. Vous savez qu'on est en train de, de préparer les conditions administratives et les conditions, je dirais, de recueil des données pour qu'on puisse avoir des simili-référendums à Kerson, à... etc. Donc, euh, ce, genre de, ce genre de travail qui accompagne, on est en train de. Voilà, pour maintenant, à, à Kherson on est en train. De, on, je crois que les habitants ont un mois pour passer au rouble, hein, pour faire la. On reprend une économie en rouble, etc. À, Marianne, à, à Mariupol aussi. Donc, il y a tout un. Tout un travail, ce n'est pas parce qu'on a l'impression que la Russie a piétiné euh, que la guerre est finie ou même que la guerre n'est pas gagnée pour les Russes. Donc, en faites très prudent. Encore une, une remarque sur le, les réfugiés on a eu une première vague de réfugiés qui a été assez impressionnante, c'était plutôt, plutôt plus que 3 millions, hein, que 2,5 millions, euh, qui sont passés dans tous les pays, d'ailleurs beaucoup en Pologne. Mais aussi en Slovaquie, en Hongrie, et en Roumanie, bien entendu. Et euh, deux choses très particulières sur ce flux c'est d'abord un flux euh, féminin, donc des mamans, des grands-mères et des enfants, pour moitié d'enfants. Donc on a, une, on a eu 1,5 million d'enfants qui ont quitté leur scolarité et qui ne parlent pas forcément la langue du pays dans lequel ils arrivent. Voilà. Et puis, une dernière, dernière remarque euh, depuis trois semaines, les flux s'inversent, c'est-à-dire qu'on a des gens. Qui repartent, qui reviennent, soit à Kiev, soit dans l'Ouest. Euh, on pense, on est assez, on est, disons, moins pessimiste sur les récoltes. Hein, on pensait qu'on ferait 50%, qu'on pourrait semer 50%. Là, et, la semaine dernière, des gens m'ont dit qu'on va être à 80%. Donc, ce qui est quand même important, non seulement pour l'Ukraine, mais pour l'Europe et pour le monde. Euh, voilà. Donc, on a, on a un, un flux-retour qui est assez imposant, qui est de l'ordre, qui s'est équilibré. Voilà. Très bien. Et pour en revenir sur la, la question purement, purement militaire, on a vu que depuis le retrait de, de, de Kiev, il euh, y a une concentration stratégique sur Odessa et sur, et sur le Donbass. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la Transnistrie et donc y ait une un, un, que les Russes essayent de couper tout l'accès à, à, à la mer de, de l'Ukraine Oui, bien sûr. Alors, Odessa est assez calme. Hein. Je, moi, je suis avec Odessa tous les jours parce que c'est quand même quelque chose qui m'inquiète. D'abord, on a une école française là-bas. Euh, Odessa est assez calme. Voilà, y a les, les parents de l'école française d'Odessa passent leur temps à dire aux responsables de l'école française, bon, on peut rouvrir, tout est calme, quand est-ce qu'on rouvre quoi? Ce, qui, voilà, ce qui est un signe. Euh, alors c'est plutôt à Kherson, je ne suis pas sûr pour Odessa, moi. Par contre, la Transnitrie, effectivement, ça c'est un gros problème. C'est quelque chose qui va... Vous savez que le 24 février, j'ai dit guerre culturelle et je, je, je le répète, c'est-à-dire qu'on a une, une, une manière de faire cette guerre culturelle qui est très bien maîtrisée par la Russie et qui est maîtrisée depuis des siècles. C'est de dire, nous avons des russophones, donc ce sont des gens qui sont russes. Donc ce sont des gens dont nous sommes les chefs et si s'ils se sentent mal chez vous, et ben nous devons venir les libérer. Et cette notion de dire qu'il y a une adéquation entre le fait que je suis russophone, que je suis plutôt de culture russe, donc je suis citoyen russe, c'est une lutte qui existe en Europe, je l'ai souvent expliqué, depuis des siècles. C'est-à-dire que pour moi, un des ancêtres de l'Union européenne, tel que nous la connaissons, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir 24 langues, qu'on a le droit d'être 27, qu'on a le droit d'intérêts complètement divergents, mais de rester ensemble et de ne pas s'entre se, déchirer. L'affrontement de ces deux modèles existe depuis des siècles. Et pour moi, un des, un des ancêtres de l'Union européenne, c'était la République des deux nations, hein, que, que, que Poutine a cité comme un, comme un État terroriste euh, il y a un an. Tout à fait. Euh, sabine Tillet, je passe, je passe avec vous. on parle de, donc de, de deux nations et j'en profite que vous ayez justement cette double citoyenneté euh, pour vous parler de, de, de la relation euh, et donc des, des différentes approches du couple euh, franco-allemand euh, par rapport à, à, à l'ukraine et surtout par rapport à la russie. Euh, on n'entretient on pas du tout les mêmes, les mêmes relations. Et, pas non plus les mêmes dépendances euh, par rapport à la russie euh, c'est notamment la question énergétique euh, c'était nord stream 2 c'est maintenant euh, l'embargo sur le pétrole euh, ma question c'est est ce que malgré tout cela et malgré les épreuves qu'on est en train de traverser euh, sur les questions d'embargo qui se font de plus en plus présentes est ce que le, le, le couple franco allemand reste solide est ce que le moteur franco allemand roule encore on voit nous, je crois que Frédéric peut le confirmer, dans notre Assemblée parlementaire franco-allemande, parce que nous sommes parlementaires et on ne parle pas non plus au nom de, de nos gouvernements, mais nous avons nos activités propres. Oui, le couple franco-allemand tient bien, mais euh, il faut quand même tenir compte de notre histoire, de notre culture et de ce qui s'est passé aussi euh, après la Deuxième Guerre mondiale. J'avoue que même si je regarde ma propre vie, euh, J'étais plutôt du côté, euh, oui, pacifiste euh, en Allemagne quand j'étais jeune. Si un jour on m'avait dit déjà que j'allais être députée française, mais en plus siéger dans une commission de défense et forces armées, j'aurais dit à l'époque, euh, c'est juste... Euh, Impossible. Mais je sais aussi qu'on a grandi sous la menace russe. Moi, ma tante, elle vivait près de la zone Grenze, comme on disait. Donc, on se promenait dans la forêt, euh, petit. je souvenir euh, des miradors et euh, des mitraillettes euh, qui se pointaient euh, sur nous. Donc, c'était euh, quand même déjà quelque chose de très compliqué. Et moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que. Ça se passait trop facilement le démantèlement de, de entre guillemets de l'Union, pas démantèlement, comment dire, mais que l'Union soviétique se disloque. Je me suis toujours dit, est-ce qu'il n'y aura pas un jour un retour de bâton Et je suis d'accord avec Frédéric de dire, on insiste aussi à quelque chose de, 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 de culturel, de, de, et aussi culturel au sens plus large aussi, parce que Poutine, il s'attaque quand même à notre manière de vivre à notre liberté à notre espace parce que ce qu'on a créé depuis 70 ans dans l'union européenne c'est quand même un espace de droit de dire euh, de dire que c'est le pouvoir qui ne doit pas prendre le pas sur le droit tel qu'on l'a vécu euh, euh, avec le nazisme justement, mais que le droit doit être resté prépondérant. Et ce n'est pas du tout dans la visée euh, de toute façon euh, de la Russie. Donc c'est une attaque directe aussi euh, euh, contre notre manière, contre notre liberté euh, de vivre. Hein. Et, et si vous me permettez, je vais. Et donc le couple franco-allemand, oui, pour revenir là-dessus, effectivement, là, et je crois que c'est très difficile pour le gouvernement actuel, donc euh, Olaf Scholz, qui est social-démocrate, ce qui se passe met aussi en cause toute la hausse politique, la politique de l'Est de, de l'Allemagne depuis euh, des dizaines d'années, hein, tout ce qui a été euh, bâti même par, par Willy Brandt et tout ça. Donc ça veut dire que les SPD de ce côté-là doivent d'une certaine manière euh, agir presque. Contre ces icônes, en, en allant dans le sens qu'on souhaite et qui est sûrement le bon sens, parce que de toute façon, il faut montrer aussi de la fermeté, mais c'est beaucoup plus compliqué pour l'Allemagne qui a toujours considéré, même Angela Merkel, qu'il fallait rester en lien, qu'il fallait tendre une main à la Russie. Une, une petite remarque qui est assez intéressante sur l'évolution de ce qui se passe en Allemagne et ce que nous on voit en tant que parlementaire, c'est le, le, le fait que aujourd'hui. Il y a plus de, il est plus facile aux écologistes allemands de faire leur argent que SPD, qu SPD. Ce qui est assez, voilà, alors qui est pour nous une expérience extraordinaire, parce que quand on connaît, quand on connaît les écologistes en France et même leurs évolutions récentes, on est quand même un peu, un peu perturbé. c'est assez extraordinaire de voir cette, cette parole de vérité qui garde une espèce de constance en disant oui bah, la vérité aujourd'hui c'est de dire que oui il faut armé quand c'est un, quelqu'un une, une verte allemande qui vous dit ça en conférence alors que je lui demandais rien mais Francisca qui me dit ça voilà donc euh, c'est impressionnant de voir cette capacité euh, qu'ont les parlementaires allemands à, à à se poser les bonnes questions. Alors, des fois, effectivement, ils ne réagissent pas comme nous, on le fait en France, avec des slogans, avec des choses comme ça. Ils Et on sent, quand même, on sent quand même une lame de fond. Moi, je l'avais dit il euh, y, y a un an, hein, j'ai dit que je sentais depuis le début de mon, de mon mandat une lame de fond qui, qui, qui traversait la société allemande, de la jeunesse qui dit euh, l'Allemagne ne peut plus être indifférente à ce qui se passe dans le monde. On ne peut plus faire. Euh, euh, on peut plus faire 14% de, de, de commerce avec la Chine sans poser des questions à la Chine. On peut plus euh, continuer à faire euh, du commerce tel qu'on fait et à dire bah, ⁇ nous, comme on a été méchants à une certaine époque, on ne s'occupe pas du monde ⁇ Il y a de plus en plus dans les, dans les conférences, dans les, dans les Stiftung, quand j'intervenais sur des jeunes générations, où on sentait que l'histoire de cette espèce de neutralité allemande... « schuldig » comme on dit, c'est parce qu'on était coupable. Donc, on, bon bah, les affaires du monde, il vaut mieux qu'on s'en occupe pas. Ça disparaît, et ça vient de très loin. Et d'ailleurs, le vote a été extraordinaire. Le vote, le vote jeune, ça a été FDP et Vert. D'accord. Même expérience. En 2007, j'ai eu un échange comme on a aujourd'hui avec les Verts. Et quand on prenait le mot défense dans la bouche, alors là, sécurité, c'était presque pas possible. Mais depuis, il y a eu un, vraiment un, un changement de logiciel chez eux, qui est quand même assez étonnant, assez très pragmatique aussi. Et même Annalena Baerbock, à la conférence de sécurité de Munich, elle avait encore dit :« Bah ben non, on ne va pas changer les règles d'expérience, d'un euh, euh, attention, euh, et aujourd'hui, euh, là aussi, elle a beaucoup changé. Hein. Et donc, pour continuer sur sur la politique allemande, est-ce que cette coalition feu tricolore, euh, euh, donc avec le FDP, le SPD et, et, et les Verts allemands, est-ce que celle-là aussi, elle va tenir malgré ce changement de paradigme, de paradigme sur euh, le pacifisme traditionnel des Verts, malgré euh, les livraisons de gaz qu'il a fallu aller chercher au Qatar, malgré tout cela, euh, cette coalition est, est, est là pour tenir, elle, elle est là pour rester elle est là pour tenir, même si c'est très compliqué, mais ce qu'il faut savoir, quand il y a des négociations de coalition, ça débouche sur un contrat de coalition. Et un contrat, c'est quelque chose... Euh Important en Allemagne, on le respecte. On le respecte, c'est pas quelque chose qui est flexible, qui. Mais ça veut pas dire qu'il y aura pas des problèmes. Hein. Peut-être euh, ça ne marcherait pas, mais je dirais ça a plus de, de, de chances d'aboutir parce que chacun a pris euh, sa resp responsabilité dans ce contrat de coalition. Et c'est quelque chose que je regarde parfois, surtout en ce moment un peu avec envie le système français, euh, allemand, pardon, même s'il n'est pas transposable en France, mais en en tout cas, euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale, chaque électeur sait que ce n'est pas son parti de cœur qui va être seul au gouvernement. Donc même en tant qu'électeur, on est déjà dans une attitude de compromis, de consensus. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit deux partis ou maintenant trois euh, qui, qui, qui euh, constituent la, la coalition, ça représente quand même entre 56, euh, voire 60% des électeurs qui sont représentés positivement là on nous euh, on est à 27 30 peut-être maximum et encore et on se trouve avec 70 des gens euh, qui sont contre ou qui s'abstiennent et avec ça on c'est très difficile de mener des réformes et d'avoir une cohésion euh, sociétale. J'entends. Euh, Frédéric Petit, on va, on va parler peut-être d'un autre contrat. C'était celui du, du 21 mars, quand le, le Conseil de l'Europe a donc décidé de, de sa boussole stratégique ou de sa nouvelle boussole stratégique, euh, où on va renforcer l'autonomie en termes de sécurité, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit, qu soit militaire. Euh, en tant que européen convaincu, est-ce que, est -ce que cette boussole euh, stratégique va dans le bon sens Est-ce qu'il faut continuer à construire euh, cette autonomie Oui, bien sûr, elle va dans le bon sens. Alors, elle est peut-être, je crois que le, ce que la guerre a, a, a provoqué, donc, -moi, je réponds très clairement oui, voilà, voilà, ça va dans le bon sens, il faut continuer. Je, je crois que ça, pour une fois, ça a été fait. Enfin pour une fois, je veux dire, par rapport aux habitudes, parfois, de la bureaucratie européenne, c'est quelque chose qui a été fait de manière assez rapide, finalement, hein, puisque c est, c est, ça, ça arrive assez rapide, et qui a été fait avec un, un peu à l'allemand. Je dirais, on n'est pas d'accord, mais bon, on, on, on se met vite d'accord et, et on essaie, on essaie d'aller avancer. Et très rapidement, par exemple, le terme de boussole stratégique, de la nécessité d'une boussole stratégique, est, est devenu très rapidement euh, évident à tout le monde, alors que c'est un terme complètement nouveau. Voilà. Alors après, je crois qu'on est dans les mêmes dans les mêmes questions que ce qu'on a proposé, que les questions auxquelles a répondu Sabine tout à l'heure sur l'adhésion ou pas l'adhésion, etc. C'est-à-dire, on est sur des choses où effectivement le rythme européen tel que nous le connaissons, donc comment définir une boussole stratégique, comment avoir une procédure pour intégrer un nouveau, etc., n'est pas adapté à la réponse que l'Europe doit apporter à la guerre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas apporter une réponse à la guerre, pas uniquement en termes militaires. Donc, par exemple, moi je suis pour quelque chose de rapide en Ukraine, mais effectivement, d'une part, ce n'est pas forcément adhésion, ça peut être reconstruction. J'ai beaucoup pris la parole là-dessus. Je, je pense que nous devrions annoncer aujourd'hui, Union européenne, que c'est nous qui reconstruirons. Voilà. Dès que ça sera possible, nous reconstruirons. Et si. Je m'écoutais ou si on m'écoutait, je dirais même qu'on peut déjà commencer et je serai présent en Moldavie, je serai présent voilà, parce que on a beau être russophone embrigadé du Donbass, si dans 5 six ans on voit qu'il y a des autoroutes qui marchent d'un côté et pas de l'autre, on commencera à dire voilà les, les, les Ukrainiens qui arrivent de là sont impressionnés par le niveau des infrastructures polonaises, parce qu'ils ne le savaient pas. Ils comprennent bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé qu'on n'a pas chez nous. Donc je, je crois qu'on devrait, par exemple, annoncer que c'est l'Union européenne qui reconstruira. Point barre. Voilà. Bien sûr, y mais... Peut-être juste un mot sur la boussole stratégique. Elle est vraiment, c'est un terme qui est dévolu à la défense. Hein. La, sinon, on parle de souveraineté européenne ou autonomie stratégique, mais la boussole elle veut vraiment identifier, et c'est la première fois que les États membres de l'Union européenne l'ont fait, identifier les menaces déjà, qui sont aujourd'hui euh, hybrides, protéiformes. Et c'est vrai que l'Est de l'Europe regarde traditionnellement, évidemment, vers l'Est, vers la Russie, alors que nous, nous regardons beaucoup plus vers l'espace méditerranéen. Aujourd'hui, on doit regarder un peu partout, même l'Indo-Pacifique, et donc euh, c'est d'identifier identifier Déjà ces menaces, après de voir quel outil militaire, euh, de quel outil militaire nous disposons, donc de regarder notre capacité, l'industrie de la défense, notre dépendance aussi des États-Unis, quand même, hein, à presque 90%, et de voir aussi quelle structure de commandement ou de, de, de structure d'intervention nous pouvons mettre en place. Et ça, c'est la première fois que ça s'est fait. et Malheureusement, la défense, c'est quelque chose qu'il faut penser à long terme, donc ce n'est pas une réponse à, à la crise, à la guerre. Et peut-être un mot sur ce que tu as dit, ce que je trouve très intéressant de. De penser dès maintenant à la reconstruction. Euh, J'étais ce matin à une réunion euh, avec l'Association française des communes et régions d'Europe et leur pendant allemand. Et justement, c'était déjà la question qui, qui se posait. Et les co communes allemandes et françaises ont envie de se jumeler avec une commune en Ukraine, euh, peut-être en tripartite, ou voir avec des communes polonaises, pour essayer dès maintenant de penser euh, la reconstruction déjà à ce niveau-là. Et ça, je, je trouvais ça vraiment euh, très positif et intéressant. Je pense que tu as raison. Un symbole politique comme ça pourrait être fort. Et, et je profite de votre intervention pour revenir un petit peu sur, sur cette boussole stratégique. Euh... Dans l'OTAN, sans l'OTAN, euh, via l'OTAN, euh, comment est-ce que ça se passe Et vous parliez de, de, de long terme, comment est-ce que ça se passe justement quand on essaye de, 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 de construire notre complexe militaro-industriel européen et euh, que certains pays euh, continuent à acheter du matériel américain, euh, continuent, à, continuent cette, cette dépendance-là Comment est-ce que, est que ça se passerait vous faites allusion à l'achat des F-35 par l'Allemagne. Bon là, il faut mettre quand même, euh, il faut être un peu plus pondéré, parce que euh, sur le sol allemand, euh, il y a de l'armement nucléaire euh, américain, qui ne peut pas aller sur d'autres avions, en fait. C'est une des raisons pour lesquelles dans un premier temps, les Allemands ont acheté euh, ces euh, F-35. Ça a été assez, assez bien expliqué. Parfois, il faut, 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 faut regarder ça un peu avec un discernement, mais ça veut pas dire qu'on qu n'a pas besoin aujourd'hui plus d'indépendance on est sur le chemin on a, on a maintenant un fonds européen de défense de 8 milliards d'euros quand même qui n'existait pas avant donc on a aussi ce qui s'appelle la coopération structurée permanente où il y a, qui, malheureusement je trouve qu'un peu trop soupoudrage de projets on devrait beaucoup plus recenser les projets de, de, industriels, militaires et on a quand même aussi cette initiative qui a été lancée par le président de la République l'initiative européenne d'intervention à laquelle maintenant il y a 13 états hors même avec les anglais donc hors les britanniques plutôt hors l'Union européenne qui participe pour essayer de créer des embryons euh, de structures, euh, de commandement et d'essayer d'avancer euh, ensemble. Mais on a effectivement ce gros problème qu'on connaît qu qu aussi quelque part encore euh, en ce qui concerne l'industrie de la défense, euh, un peu en concurrence. Et là, on doit penser euh, beaucoup plus euh, l'intérêt général. Et la boussole stratégique, justement, elle a montré aussi qu'on ne dispose pas d'un renseignement euh, commun dans l'Union européenne, une analyse, analyse commune là aussi. Aussi, on a besoin beaucoup plus euh, d'interconnexion. Et euh, je, je, je donne toujours cet exemple qui est encore un exemple interculturel aussi, qui est donné l'ancien ambassadeur de l'Allemagne, M. Maya Landruth, qui disait toujours souvent entre français et en allemand on a l'impression de parler de la même chose, on utilise le même mot, mais parfois on bah, ne comprend pas la même chose. Et la défense est un très bon exemple, ou plutôt le mot industrie de la défense. Parce qu'en allemand, il va entendre industrie, retombée économique surtout nos collègues parlementaires Ils sont souvent les vrais lobbyistes de leur circonscription et des entreprises qui s'y trouvent et nous nous allons entendre défense et défense de nos intérêts. Donc on a l'impression de parler de la même chose mais c'est pas forcément le cas mais ça permet aussi une grande complémentarité. Tout à fait. Frédéric Petit, on va, j'aimerais bien parler un petit peu d'écologie et notamment des, des conséquences de la guerre sur, sur l'écologie et sur nos émissions de, de gaz à effet de serre. La Russie est un fournisseur majeur de, de l'Union Européenne en, en énergie fossile. On, encore une fois, on prévoit cet embargo. est-ce que c'est une fenêtre d'opportunité pour le développement des, des, des énergies renouvelables, ou alors est-ce que euh, on va devoir retourner au, au, au charbon? Euh, en, je pense à la bulgarie, je pense à la pologne, qui sont, euh, qui sont déjà victimes des, de, du chantage russe. alors retourner au charbon, c'est quand même compliqué. je ne pense pas. Euh, alors, d'abord, c'est très intéressant de, de, de parler de l'impact écologique de la guerre en Ukraine. Pourquoi Parce que il se trouve que moi je suis aussi parlementaire de l'OSCE, de l'Office de sécurité et de coopération en Europe, et que l'impact environnemental de la guerre dans le Donbass depuis 2014, c'est la façon dont nous arrivions, parce que dans cette assemblée parlementaire, il y a des Russes et des Ukrainiens à la même table. Et on discute. Et c'est, on, tra on travaille de manière plus euh, plus approfondie, moins moins euh, moins médiatique, mais plus approfondie que le Conseil de l'Europe. Hein, que l'absence du Conseil de l'Europe, c'est assez, c'est assez, c'est comme en commission, quoi. Et cette manière était une manière de de, de parler de la situation du Donbass, de parler de l'impact environnemental, euh, sans. Couper tout de suite court en disant bah ben non il n'y a pas de guerre non etc donc on arrivait à pouvoir parler avec des collègues russes des collègues, des collègues ukrainiens de la situation Donbass parce qu'on disait bah oui alors qu'est-ce qu'on pourquoi il n'y a pas d'eau à Donetsk pourquoi parce que la station d'eau était du mauvais côté de la zone etc enfin on arrive à parler de ces choses là donc il une voilà. après deuxième chose il y a une prise de conscience même si on est encore loin du compte à l'intérieur de l'Union européenne qui est complètement différente de la prise de conscience qu'il y, qu y a en Russie. Je veux dire, ce, ce moi, je, travaillé, je suis intervenu en 2010 au Donbass, euh, le méthane, le grisou qu'on sortait des mines, était mis à l'air libre sans même être brûlé. Parce que l'important, c'était qu'il ben, ne fallait pas que ça explose. Donc on le pompait et puis bon, on le balançait sans le brûler. Hein, donc, euh, quand il y avait une torchère, c'était déjà mieux parce qu'au moins c'était du CO2 et pas du CH4. Et donc, on commençait à se poser des questions. Bah, Peut-être qu'on pourrait chauffer nos douches avec euh, ce qui sort. C'est pas la peine. Voilà. Et donc, cette, cette conscience que ce que nous faisons a un impact pour nos petits-enfants, c'est quelque chose qui est, qui est aussi un combat culturel. Et donc, effectivement, quand je parlais tout à l'heure de reconstruction, quand je dis qu'on pourrait poser des actes politiques beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort que la simple oui, oui, vous allez être candidat, et dans 15 ans, peut-être que si vous êtes sage, vous serez là, on pourrait poser des actes qui seraient, par exemple, des actes non seulement de reconstruction, mais euh, de, de, de nettoyage, de dépollution, de, de remise en, en ordre de l'eau potable. Il n'y a, a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'eau potable. Il y a de l'eau potable, et on trie les poubelles en Pologne depuis 15 ans, ouais. depuis 10 ans. Et, et, et aujourd'hui, il n'y a pas un Polonais qui imaginerait qu'il ne peut pas boire de l'eau potable ou qui, ou qui jetterait la poubelle jaune avec la poubelle rouge. Les, 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 les habitudes se prennent très bien, mais c'est des habitudes qui sont portées par notre culture européenne. Mmh. Et ça, ça fait partie de, de, des choses qu'il faut faire. Mais maintenant, pour revenir à l'impact de la guerre sur l'environnement en Ukraine, c'est une catastrophe. C'est ouais. une catastrophe. Parce que. On, <coughs> On n'a pas idée de, je veux dire, une, une bombe qui tombe quelque part, ça veut dire des tuyaux qu'on qu qu ne verra plus jamais pendant 50 ans qui vont pourrir dans le sol. Ça veut dire, ça veut dire des, 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 des circuits d'eau, des, 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 des ruissellements d'eau qu'on ne, ouais. qu ne va plus du tout maîtriser. Donc, c'est de la reconstruction et du nettoyage pour, pour, des, pour des décennies. Mmh. Oui. sans parler de Tchernobyl et autres. Catastrophe, catastrophe environnementale à, à, à suivre. alors, si vous le voulez bien, on va, on va tourner un petit peu la page de la guerre pour se recentrer un petit peu sur, sur l'union européenne. Euh, donc, le, le 9 mai, ça va être la, la fête de l'europe. on l'attend. on l'attend avec impatience. Euh, ce sera aussi euh, l'adresse du, du président de la république, fraîchement élu, mais toujours président de, de l'union européenne au, au parlement européen. alors, est-ce que là, dès maintenant, on peut déjà dresser un, un, un bilan de de la présidence française de l'Union européenne avec, avec ses, ses avancées, même si, même si le, le, le paysage a été chamboulé a été chamboulé par la guerre, est-ce qu'il y a eu quand même pas mal de, de, de progrès sur, sur cette PFUE Indéniablement, il y a des progrès. Maintenant, il faut toujours être très modeste quand on parle, quand même, de la présidence française du Conseil de l'Union européenne et pas, par exemple, de l'Europe, comme on le lit très souvent dans les journaux. Et il faut aussi dire qu'on n'est pas complètement libre. Ça veut dire qu'on est quand même dépendant aussi du calendrier législatif des propositions de loi qui sont sur la table. Et le tout se fait quand même dans ce que s'appelle la Troïka, donc trois pays qui travaillent ensemble, donc c'est la France, la République tchèque et la Suède. Donc c'est vraiment un calendrier. Je, parfois, je, oui, c'est Jean-Louis Bollange qui dit très souvent, euh, notre collègue, en fait, lors d'une présidence, on accouche des bébés qu'on n'a pas conçus. En réalité, parce qu'il y a eu un travail euh, préalable et ce qui vient à maturité, euh, ça, euh, on peut euh, plus ou moins le pousser. Bien sûr, il y a eu 250 euh, projets euh, législatifs euh, sur la table, là, pendant notre... Euh, présidence. Ce qu'une présidence peut faire, c'est de donner des priorités, de pousser plutôt euh, certaines choses qui ont une chance euh, d'aboutir. Ce qu'on a fait, par exemple, sur le marché numérique et les services numériques, euh, donc euh, ça, c'est une, une, une grande euh, avancée, euh, par exemple, sur le service numérique. Tout ce qui est illégal dans la vie, euh, de tous les, enfin, dans la vie normalement, doit l'être doit aussi euh, sur le net quelque part, et les mêmes règles aussi au niveau du marché. Euh, euh, numérique. Donc euh, ça, c'est des avancées. On a pu aussi pousser euh, un peu la question du salaire euh, minimum, en tout cas de, euh, au niveau euh, d'un cadre. Là aussi, on se heurte euh, à nouveau à des à des problèmes interculturels, parce qu'il y a beaucoup de pays, comme par exemple le Danemark, ils remplissent tous les critères, pour, ils ont même déjà atteint l'objectif de cette future directive sur le salaire minimum, mais culturellement, ils ne souhaitent pas... Euh, qui, qui a pas euh, la flexibilité euh, euh, donnée pour les partenaires sociaux. Ils ne veulent pas un cadre euh, législatif. Vous voyez, même s'ils vont euh, un petit peu euh, dans le même sens. Donc ça, ça, ça a avancé la boussole stratégique. Euh, elle a bien sûr ça aussi c'est une avancée et euh, aussi la réciprocité pour euh, les marchés publics. Ça c'était un, un grand grand sujet euh, quand même euh, pour nous. On avance aussi dans les accords commerciaux euh, euh, sur les euh, les ah. Les dispositifs miroir, là, voilà, le miroir, euh, voilà, close miroir, voilà le mot, le mot que je cherchais. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que Donc, ça close veut dire qu'il y a des mêmes conditions euh, Ça veut dire qu'un produit qui rentre dans l'Union européenne doit remplir, euh, le, enfin, doit être produit selon les mêmes exigences, les mêmes euh, normes que ce qu'on a dans, dans l'Union européenne. Là aussi, pour ne pas fausser la concurrence, particulièrement pour nos voilà. agriculteurs. C'est-à-dire qu'avant, on on se contentait se... de, de D'avoir des clauses, nous, environnementales, dont on alertait, dont on, on faisait. on essayait de protéger, on disait, bah non, ça, vous n'aurez pas le droit, etc. Et maintenant, on fait des clauses miroirs, c'est-à-dire qu'il faut que euh, ce que nous avons, nous, comme, comme exigence, fasse partie du contrat et, et soit en, en miroir. Quoi. Donc, c'est beaucoup plus euh, systématique et évidemment beaucoup plus bloquant euh, quand le pays ne respecte pas. quand l'autre pays ne respecte pas les mêmes normes, il ne peut plus faire le tour, quoi. Euh, maintenant, on a quand même avancé aussi pour la neutralité carbone hein, en 2050, ou ce qui s'appelle le Fit for 55, 55% de la consommation de 80 ou de la dépense de 95 qui doit être atteint en 2030. Mais là, je reviens à nouveau vers la guerre aussi. Oui, on a, on a beaucoup de, de sujets, où on a avancé, mais maintenant, on doit mener et c'est ça qui est compliqué deux défis en même temps. Ça va le défi euh, climatique et le défi de la guerre. Et quand on pense, par exemple, aux dispositifs qui ont été mis en place pour la biodiversité dans la nouvelle PAC, ça veut dire de garder des, des jachères pour, pour justement promouvoir la biodiversité. Bah, aujourd'hui, bah, si on a un problème de sécurité alimentaire, euh, parce que l'Ukraine et la Russie sont quand même des grands fournisseurs euh, de céréales et autres, bah, euh, on aura besoin de ces jachères simplement pour nous nourrir. Donc la biodiversité euh, va peut-être euh, rester au deuxième plan. Et ça, c'est le gros, gros, gros problème devant lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Si, si vous me le permettez, je vais prendre une, une question qui nous a été posée euh, en ligne euh, et, euh, et que, je vais, que je vais un petit peu recontextualiser. C'est euh, vraiment l'idée de avec tout ce que vous avez cité, comment est-ce que on, on, on traduit ça, comment est-ce qu'on transcrit ça pour, euh, pour les jeunes, voire les moins jeunes, pour créer ce, ce, ce sentiment d'appartenance. Euh, la question de, de guerre culturelle était vraiment, ou en tout cas de la question culturelle était vraiment là. Euh, comment est-ce qu'on est -ce qu crée cette adhésion? comment est-ce qu'on promeut les avancées de l'Union européenne quand on voit que, que l'euroscepticisme est à la mode et que, et que la défiance est, est de plus en plus promue Grande question, c'est presque une question serpent de mer qu'on se pose depuis très longtemps. L'appartenance, ça fait partie des mots clés de la présidence française de l'Union, résilience, puissance, appartenance. Euh, appartenance, euh, je veux dire, on, on peut la promouvoir euh, que, uniquement par différentes pièces. Ça veut dire, euh, on a besoin de la culture, promouvoir la culture, euh, parce que ça, souvent, l'interculturalité aussi, et on a besoin des échanges à tous les niveaux, c'est-à-dire la société civils, euh, les gouvernements, les parlementaires. Moi, j'ai toujours tendance à dire, je trouve que, le, je ne sais pas ce que tu en penses, Frédéric, mais le parlementaire national, il est souvent le, 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 le chaînon manquant dans la construction européenne et dans la promotion euh, de tout ce qui se passe au niveau européen. Parce que, moi je, parce que nous sommes chaque semaine dans nos circonscriptions. Nous sommes avec les élus locaux, nous sommes avec nos électeurs et on devrait beaucoup plus lier dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, l'échelon local, à l'échelon national, à l'échelon européen. Et in fine, à la limite, toute politique, quelle qu'elle soit, elle est, elle est locale parce que c'est là qu'elle doit arriver, et c'est ça qu'on doit expliquer, et aussi peut-être sortir d'une certaine idéologie autour de l'Union européenne. Je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est important d'être aussi pragmatique, c'est-à-dire, bon, ben bah, voilà, on a des défis devant nous, euh, quel est le meilleur échelon pour faire face à ces défis Je crois que peut-être on peut toucher aussi euh, euh, nous, les citoyens un peu plus aussi. Par là, au lieu de dire, bon, moi, est-ce qu'il faut une Europe fédérale, oui ou non Enfin, Moi, je suis fédéraliste, moi, effectivement, je viens à l'origine d'un pays fédéral, mais peut-être faudrait-il pas parler de ça en ce moment, mais de, de, de susciter plutôt le sentiment qu'on ait une communauté de destin, ce qui montre en ce moment quand même la guerre en Ukraine. Frédéric Petit, comment est-ce qu'on redonne envie d'Europe bah écoutez, moi je suis pas très bien placé pour en parler puisque moi j'y suis, je suis au milieu, mais mes, mes filles sont sont binationales euh, et encore une fois je, je crois que il y a deux choses qui peuvent être faites. D'abord, il faut. Euh, on avait une discussion l'autre jour. François Bayrou a dit qu'il faut arrêter, faut arrêter de se, faut arrêter de gendre. Voilà. Et je, ça m'a tapé dans l'œil parce que je crois que c'est assez assez fort et c'est vrai. Et euh, voilà. On est tout le temps. Moi, je me souviens très bien une des premières, euh, un des premiers grands moments de solitude que j'ai eu au Parlement, c'est quand on, euh, pour la loi sur les conflits d'intérêts, la première loi, là, quand on m'a dit Il euh, y a eu un, un amendement où on dit euh, il faut exclure les binationaux des responsabilités politiques. Et ce n'était pas un Front national, hein. C'était un républicain. Hein. Et moi, je ne savais pas comment on prenait la parole, j'ai pas pu réagir. Et, 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 et du coup, je me voilà, il faut arrêter de, de, de se défendre. Il faut il faut, voilà. après moi je suis très, euh, très euh, démocrate et je crois que les citoyens doivent faire le, tra doivent faire le travail doivent prendre le pouvoir je, je euh, l'union européenne c'est quelque chose que nous avons boosté qui a été extraordinaire dans les dernières euh, depuis la deuxième guerre mondiale mais ce n'est pas une idée nouvelle je le disais tout à l'heure cette, cette, euh, cette réflexion sur est-ce qu'on peut avoir une langue différente, est-ce qu'on peut ne pas aimer les mêmes plats, est-ce qu'on peut avoir envie de choses différentes, est-ce qu'on peut avoir des intérêts divergents, mais en même temps se mettre d'accord sur des intérêts supérieurs. C'est un débat qui existe depuis longtemps. J'ai rappelé l'autre jour dans une réunion le château de Hambach, la, la cérémonie de 1831 en Allemagne, euh, la création du drapeau, du drapeau allemand, etc. Je parlais de la République des deux nations. On pourrait parler de ce qui s'est passé parfois dans les Balkans. Cette idée que ce n'est pas parce que nous sommes différents que nous devons savoir qui sera le plus fort. Surtout quand on est en face de défis mondiaux comme le climat. Voilà, moi, quand j'entends « on va régler le climat en, en, en sortant de l'Europe », Très bien, oui, on va, on va peut-être avoir moins d'émissions ici, mais je ne vois pas ce que ça changera pour la planète si, euh, si euh, notre petit pays fait un peu mieux que les autres. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, si on veut régler le problème du climat, il faut effectivement être capable de porter des intérêts divergents avec des gens qui roulent à gauche, qui parlent une langue qu'on ne comprend pas, euh, euh, qui, disent non, euh, qui disent non comme ça. Et, et effectivement, il faut qu'on dépasse ça pour prendre en main des intérêts divergents. Et, et et les transcender et ça c'est ce que l'europe raconte au monde c'est une antichambre du global. Oui, j'ai envie Vous de rajouter quelque chose. Tu as dit, oui, il ne faut pas geindre. Et j'ai envie de dire, ouais, soyons parfois aussi, arrête-nous et soyons fiers de ce qu'on a accompli. Et ça, on ne le fait pas suffisamment parce que quand on s'arrête un peu et on regarde ce qu'on a essayé de faire, on ne l'a jamais fait dans l'histoire de toute l'humanité. Sans se faire de la guerre, d'essayer de se mettre autour d'une table pour bâtir un ensemble qui, qui représente aujourd'hui quelque chose, qui n'est pas rien et que beaucoup, dans le monde nous envie. On n'a pas de référence historique, pas de référence juridique, on n'a pas de référence sociétale. On a tout créé ex nihilo comme ça, euh, euh, de zéro. Et je pense qu'on peut être fier. Et d'ailleurs, la France peut particulièrement être fière. Moi, quand j'étais jeune en Allemagne, j'ai toujours été fasciné par cette idée de Robert Schuman et Jean Monnet, à quelques années de la guerre, de tendre, d'une certaine manière, la main à l'Allemagne. Fallait quand même le faire. Ça n'allait pas de soi. Et ça, on peut en être fier, oui. Et ça, ça peut peut-être créer aussi un sentiment d'appartenance si on se le permettait de temps en temps, au, tout, au lieu de râler ou de joindre tout. Temps. Voilà. Je vais, je vais en profiter sur une autre, une autre fierté peut-être qu'on a en, en, en ce moment. Euh, le 9 mai va aussi se terminer la conférence sur l'avenir de l'Europe. Alors, c'est, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette cette convention citoyenne à l'échelle européenne et, et surtout ce qu'elle va, ce qu'elle va permettre et, et les avancées qu'elle va, qu'elle va permettre l'avenir de l'Europe, aussi une idée française qui a été acceptée et reprise par les autres États membres. Donc, en fait, il y a deux volets. Il y a la Commission européenne qui a créé une plateforme multilingue qui, pour la première fois, permettait ou permet aux citoyens européens d'échanger chacun dans sa propre langue. Il y a une traduction instantanée. Malheureusement, je trouve qu'on n'a pas suffisamment informé et communiqué autour de ça. Chacun pouvait y déposer les idées qu'il a pour, euh, en disant qu'est-ce que doit être l'Union Européenne dans les dix ans à venir, parce que la question elle, se pose aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire ensemble ou qu'est-ce que on est obligé d'une certaine manière à faire ensemble parce qu'on ne peut plus le faire tout seul. Et donc parallèlement a été mise en place donc cette conférence sur l'avenir avec des panels citoyens des citoyens qui ont été tirés au sort et qui ont planché sur différentes thématiques, il y a aussi les parlementaires qui sont impliqués, sont vie parlementaires européens, sont vie parlementaires nationaux donc, euh, qui siège aussi dans cette euh, plénière et le tout il est chapeauté euh, par le, le Conseil, la Commission euh, européenne euh, et le Parlement européen. Malheureusement, le démarrage a été un peu long parce que on pas pu se, les trois institutions n'ont pas pu se mettre d'accord sur la gouvernance, sur le leadership, mais finalement, c'est géré à trois. Donc, les, la dernière plénière, elle a eu lieu euh, la semaine dernière, donc le week-end dernier, et les propositions qui émergent. Euh, qui ont émergé vont être officiellement présentés euh, après un passage au comité exécutif euh, de ce vendredi vont être présentés lundi euh, officiellement euh, à Strasbourg. Donc en prés présence du président de la République et aussi d'Orsula von der Leyen. Frédéric Petit, vous êtes favorable à ce genre d'initiative de, de rénovation oui, bien sûr, démocratique Bien sûr, je, je, je pense qu'on est... On doit continuer à être créatif pour retrouver d'autres formes de participation citoyenne. On a on parlé de ça, il y a eu le grand débat, il y a eu la conférence citoyenne sur le climat. Il ne faut pas tout mélanger, ça ne doit pas remplacer, euh, remplacer les, les institutions, mais, mais je crois que c'est important et qu'on va trouver, et que ça va être un des défis du XXIe siècle, de, 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 de recréer ces espaces qui n'ont pas toujours été les mêmes au cours de l'histoire de, de la démocratie, mais de recréer ces espaces où euh, la décision d'une nation, la décision d'un ensemble, de plusieurs nations, se prend. Pas, sans être coupé de, 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 de l'ambiance des citoyens. Je voudrais ajouter quelque chose pour le 9 mai, quand même. Le 9 mai 2022, ça va être aussi euh, euh, la fête de Poutine à, à, en Russie. Et je, je crois qu'on tend encore un peu le dos pour savoir quelle va être euh, la narration euh, qui va être faite à Moscou. Bon, J'espère que ce sera à Moscou et pas ailleurs. Euh, ce week-end. Parce que je, je crois que ça peut être. Un, ça peut être Peut-être un, un tournant. Un, un tournant. On, on savait que c'était une, une borne importante. Ça fait des années hein, que, une, que, que, que ce 9 mai est un, est un moment euh, 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 très significatif tous les ans de la renarration euh, des, des 30 dernières années par Poutine. Donc euh, c'est absolument capital de voir ce qui va se passer, euh, ce, qui va se passer ce 9 mai. On, on, on lui opposera donc à cette fête patriotique une une grande fête de l'Europe et de l'État de droit et de et de la démocratie. Donc je je me tourne vers le vers le public et donc je vous demande de, si vous avez des questions n'hésitez pas quand vous quand vous préparez vos questions moi je veux en avoir une une petite dernière pour pour conclure. Euh, c'est par rapport justement aux, aux, aux défiances à, aux, aux règles européennes aux, 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 traités, aux traités européens que certains gouvernements euh, font en fait je dirais pas prennent plaisir à défier, mais en tout cas euh, s'amusent à, 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 tou à toucher et à, et à, et à tester les, les lignes. Est-ce que, euh, est que les, les, les sanctions et, et la suspension du plan de relance est, est, est suffisant ou est-ce qu'il euh, va falloir un beau jour, malgré tout, euh, penser à revoir euh, le traité de Lisbonne et penser à, à avancer un peu plus dans le traité, re, re, reconditionner le traité et surtout est-ce qu'on en a les conditions est-ce qu'on en a les moyens là aujourd'hui de l'état de droit, elle est très très importante hein, parce qu'elle conditionne euh, notre confiance mutuelle aussi. Hein, je veux dire, il y a des valeurs, des valeurs européennes qui euh, doivent absolument être respectées. Il euh, faut qu'on soit intransigeant parce que c'est une bombe à fragmentation aussi de l'intérieur qu'on ne peut pas se permettre, euh, je pense, euh, actuellement. On n'est pas sans outils quand même. Maintenant, il y a tous les ans, euh, il y a un rapport de la Commission européenne euh, sur l'état de droit et ce qui est bien, c'est dans les, les 27 États membres sont scrutés, hein, parce que euh, bien sûr, quand on voit les dérives en Pologne et en Hongrie, mais euh, il y a d'autres États membres, et même nous, parfois, euh, bon, il y a peut-être des choses... Euh, voilà qu'on que, qu qu peut éventuellement euh, dénoncer. Là où il faut faire très attention, il y a parfois des discours dans certains États membres où il y a un mélange entre démocratie et État de droit. C'est pas la même chose parce qu'on peut être en démocratie sans être dans un État de droit, mais on peut pas être dans un État de droit euh, sans être en démocratie quelque part. Parce que certaines collègues que je rencontrais particulièrement en Hongrie, qui disaient :« Attendez, euh, on est en démocratie, nous sommes euh, librement élus. » Par nos électeurs. Donc, on a carte blanche, en fait, de décider ce qu'on décide sans, en fait, respecter ce qui est l'état de droit, c'est-à-dire une administration qui est liée à la loi, une justice indépendante, une libre expression. Enfin, il y a... Et, et, et ce n'est pas une question abstraite. Le mot état de droit, j'aimerais bien trouver un autre mot pour ça. Si, c'est vrai que ce n'est pas très parlant. À la limite, en anglais, rule of law, c'est plus parlant que état de droit mais ça, ça a des implications très concrètes aussi pour nos entreprises une entreprise qui investit qui veut investir en Pologne ou en Hongrie elle doit être quand même assurée en cas de différent d'avoir accès à une justice indépendante sinon elle ne va pas le faire ça conditionne aussi je dirais le marché intérieur c'est pas une question d'abstrait mais ce qu'on devrait faire aussi c'est de développer quelque part une culture de l'état de droit euh, un peu partout euh, euh, dans la société. Ça, c'est quelque chose qui est cher à Didier Reinders, le commissaire à la justice, et je pense qu'il euh, qu a raison, que c'est quelque chose qu'on devrait beaucoup plus mettre dans notre, dans notre conscience euh, collective. Frédéric Petit, les sanctions sont suffisantes pour faire respecter l'état de droit européen Est-ce qu'on peut envisager plus Je, je c'est pas les sanctions qui font respecter l'état de droit. Je crois que c'est les sociétés. -dire les pays dont on parle, si vous analysez, ce, ce sont cette bagarre sur l'état de droit. Vous savez, moi, mes filles, elles sont polonaises, hein, donc euh, elles étaient dans la rue et voilà. Je me souviendrai toujours de la de ce qu'a répondu, à, ce qu répondu euh, une, euh, la représentante de la grève des femmes en Pologne à, à Clément Beaune, hein, quand on finissait notre discussion d'une heure ou deux, et il lui dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre alors pour vous aider Et elle lui a répondu, écoutez, les sanctions sur l'état de droit, ça, on en a besoin, parce qu'on a besoin d'avoir quelque chose qui tourne. Les femmes en Pologne, on s'en occupe. Donc, je crois que je ne suis pas très inquiet parce que... Même la société hongroise différemment, mais et la société polonaise sont des sociétés historiquement très profondément européennes. Donc, au contraire, moi je trouve ben, que dans une famille de 27, il euh, y en a de temps en temps quelques uns qui soient, qui soient, qui s'engueulent et que ça fasse pas exploser tout, même si pendant un moment ça, ça fait que ça crée des tensions. Voilà, et puis qu'il y ait des sanctions, c'est normal. Mais je ne crois pas que c'est les sanctions qui vont nous sauver. Hein. C'est pas ça. Les sanctions, c'est logique. Ça fait un peu, voilà, puis on peut discuter, on négocie. Mais c'est les sociétés qui, qui, qui poussent derrière et qui vont, et qui vont faire que. Voilà, quand on est en Pologne, on est en Europe et, et 84% ou 85% des Polonais sont euro-enthousiastes. Beaucoup plus qu'en France. Donc, chaque fois qu'ils vont un peu trop loin, ils se calment et ils reviennent. Ils reviennent. À tous les niveaux sont importants et nous euh, parlementaires dans le cadre de ce qu'on appelle la conférence des organes spécialisés dans les affaires européennes c'est les commissions des affaires européennes chaque état membre on en a, a une en euh, chypre malte et luxembourg où les affaires européennes sont portées par les affaires étrangères mais nous nous rencontrons quatre fois par an euh, et on a mis en place sous présidence française un groupe de travail sur l'état de droit justement pour discuter avec entre parlementaires nationaux en disant quelle définition nous nous donnons non, parce qu'en fait, dans le traité, il n'y a pas de définition d'état de droit. Il y a les valeurs énoncées dans l'article 2, mais on a repris en fait la définition du Conseil de l'Europe qui n'est pas l'Union européenne, hein, qui est une autre organisation supranationale, euh, qui avait une commission de Venise et qui a un petit peu défini qu'est-ce que c'est l'état de droit. En réalité, on n'a pas notre propre définition juridique et donc on avait proposé à nos collègues, laissons-nous nous mettre autour de la table et voyons quelles sont nos valeurs, parce que certains disent, ah ben c'est vous qui ne respectez pas les valeurs fondamentales euh, euh, de l'Union européenne, euh, parce que l'Union européenne, c'est un espace. Par exemple, chrétien pour les, pour les Polonais. Ou pour, euh, donc, voilà. Et donc, on a dit, bon, bah, OK, on discute et on va voir si on ne trouve pas une, une définition euh, entre nous, parce que des valeurs, on va vers l'état de droit. Donc, euh, bon, on est en plein de travaux. On va voir ce qu'il en ressort. c'est pas toujours simple. J'imagine, on vous souhaite le meilleur. Bon, si vous voulez bien, moi, je vais prendre quelques questions dans le, dans le public. Et c'est bon Je vais amener déjà. Si vous permettez, je vais laisser la priorité à. Bonsoir, merci beaucoup pour, euh, pour vos échanges. Alors j'ai deux interrogations. La première, elle porte sur un paradoxe. J'ai l'impression que pour un motif de sécurité, euh, les dépenses en armement ont explosé. Et dans le même temps, on a ce sentiment de, de n'avoir jamais été autant en, en insécurité. Ça c'est ma première interrogation. La seconde, c'est euh, sur la concomitance entre euh, cette magnification d'armement et les crimes internationaux euh, internationaux qui pourraient être potentiellement commis. Et du coup, euh, à ce titre, il y a deux ONG, dont Amnesty, et un média euh, qui s'appelle Disclose, qui ont euh, saisi le tribunal administratif de Paris euh, pour, euh, pour enjoindre les autorités à publier des documents sur euh, la vente d'armes de la France euh, vers l'Arabie saoudite et, et les, les Émirats arabes unis, qui sont engagés euh, dans la guerre euh, au Yémen depuis 2014, qui a déjà causé euh, plus de 400 000 victimes euh, donc voilà mes, mes deux interrogations. Très bien, je, je vais répondre parce que c'est des sujets qu'on a beaucoup travaillé en commission des affaires étrangères. On a été peu médiatisé, effectivement, et je suis très souvent confronté à cette question. Donc, d'une part, euh, cette majorité a imposé le fameux rapport dont vous parlez. Ce rapport, nous l'avons, les parlementaires, nous l'avons tous les ans. Nous avons un rapport comme ça que nous avons demandé c'est encore euh, du vivant de Marielle de Sarnez. Et nous avons obtenu ce rapport dans lequel il y a ce qui s'est passé au Yémen, ce que nous avons vendu à l'Arabie Saoudite, etc. Euh, sur la, sur la, la, la partie explosion des dépenses, non, il ne faut pas confondre. Je crois que vous faites allusion au fait que nous avons fait une loi de programmation militaire, dont le montant est assez peut-être peut impressionnant. Mais c'est une loi de programmation. Vous savez que quand on fait le budget de l'État, on a une loi de finances annuelles. C'est la Constitution qui demande que qu'on fasse une loi de finances chaque année. Et nous avons une possibilité, mais qui est moins contraignante, de faire des programmations pluriannuelles. On en a fait une pour l'énergie. Et ce mandat a décidé d'en faire une, effectivement, pour, pour la défense, pour le, le, pour le militaire. Et c'était donc, évidemment, c'est un montant qui va être sur 5 ans, qui doit d'abord être revoté chaque année. Voilà, qui doit être revoté chaque année, d'une part, et qui était lié également à une, un retard qu'on avait accumulé sur un certain nombre de, 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 de domaines, et où la perception qui a été faite, c'est de dire, ben, nous voulons, si nous voulons avoir une défense, nous devons récupérer ce retard, et donc nous devons effectivement faire un effort, pas un effort sur un an, mais un effort sur cinq ans. C'est un effort sur 5 ans qui nous permettent non seulement de, de développer, mais également de, de perdre un retard. Si, si le char qui ne marche pas, il coûte aussi cher que le char qui marche. Donc il vaut mieux payer un peu plus et avoir un char qui marche. Hein Ou alors décider de ne pas avoir de char du tout, mais on avait décidé d'avoir des chars. Donc on a été obligé de, de faire du rééquilibrage et une programmation, ce qui peut donner des montants, des montants qui font qui, font, euh, qui, qui, qui sortent du cadre des montants habituels d'un budget militaire. Surtout aussi de moderniser notre armée, en fait, de la, de la mettre à un niveau, parce qu'on a eu quand même des soldats quasiment en opération extérieure, sans gilets par balles ou dans les jeeps non protégés et tout. Et on le voit bien aussi comme les sujets qui sont, sont interdépendants. Encore une fois, parce que quand on a une diplomatie sans une force derrière, on le voit avec Poutine, ça ne fonctionne pas. On n'est pas prise au sérieux. Malheureusement, c'est vrai que vous avez raison. Euh, si on regarde dans le monde, euh, oui, les dépenses euh, explosent. Mais ceci dit, dans l'Union européenne, ce qui est très agaçant, et j'espère que la boussole stratégique et toute ce, cette prise de conscience va, va, va pallier à certaines choses, nous nous permettons, par exemple, 183 systèmes d'armement différents, 13 modèles de chars. Euh, nous avons euh, 2,5 millions de soldats sous les drapeaux où les américains ont 2,1 millions mais ils sont cette fois plus efficaces donc là on a, on a vraiment sans même forcément d'augmenter nos budgets on a un gros travail à faire et aussi n'oubliez pas les menaces sont devenues ce que je disais tout à l'heure assez diverses maintenant par exemple ce qui se passe dans l'espace c'est quelque chose aussi où on est à la jonction en fait entre le militaire et le civil quand vous utilisez votre porte votre portable, votre téléphone ou votre ordinateur, vous utilisez quotidiennement les services de 22 à 25 satellites. Or là-haut aussi, il y a des attaques qui, qui commencent à point leur nez quelque part. Donc là aussi, on doit réagir. On ne peut pas rester sans rien faire. Donc c'est remarque parce que je, 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 qu'il faut bien avoir en tête, c'est l'export des armes. Pour avoir une souveraineté, donc pour avoir une industrie euh, militaire, il faut exporter. Parce que sinon, ça voudrait dire que tout ce qu'on va faire, c'est nous qui allons nous battre. Donc si on va avoir une, ce qu'on souhaite avoir nous, c'est-à-dire une industrie d'armement qui est plutôt dissuasive ou qui est plutôt accompagnant une géopolitique, si vous n'exportez ne, si pas, ou bien ça coûte dix fois plus cher, ou alors euh, vous, vous n'êtes pas en état, vous n'êtes pas en état, vous, vous allez avoir à vous battre, vous allez... Euh, Inventer, inventer des conflits pour le rentabiliser. Donc, y a, y, cette notion de « il faut exporter donc en le surveillant », c'est pour ça que la conclusion qu'on avait faite, c'est de dire « ok, il faut maintenir de l'export, mais il faut qu ait, que le Parlement soit informé de comment on exporte, quelles sont les règles, euh, est-ce qu'on est bien sûr que c'est utilisé euh, de, façon, de façon correcte ?» Et puis, il y, y a à l'intérieur, sur le Yémen, on a pas mal travaillé. Quand même. Donc, euh, tout n'est pas blanc, hein, mais on a pas mal travaillé. Bon. — Merci. Réponse très très complète, je crois. Monsieur, je vous en prie. Oui, tout d'abord, merci pour vos échanges qui étaient très clairs et aussi passionnants. Ma question, c'est plutôt lié à l'adhésion, à la demande d'adhésion de, de l'Ukraine. Il y a eu l'idée en fait d'Enrico Letta sur une confédération européenne ou peu importe, à la limite le nom. Mais ma question est. Et effectivement, il y a quand même un sujet par rapport à des pays qui attendent, parce qu'on parle de l'Ukraine, mais il y a aussi, vous avez fait allusion à la Moldavie à la Géorgie, mais il y a aussi les Balkans, et il y a même la Turquie quelque part, et on voit l'intérêt aussi quand même de, de l'arrimer. Est-ce qu'il y a concrètement un travail sur, ce, sur un, un dispositif légal où on pourrait avoir une structure qui accueillerait ces pays-là de manière assez rapide, mais. Alors évidemment il y a aussi le terme d'antichambre qui est pas toujours qui peut être péjoratif aussi mais est-ce que concrètement l'Union européenne ou travaille dessus ou vous avez des... Non alors je vais laisser je vais laisser quand même Sabine conclure moi je vais donner plutôt deux trois deux trois opinions personnelles de ce que je crois. Euh, moi je suis persuadé que l'Europe marche parce que la fait du bas vers le haut et que c'est ce qui c'est ce qu'il faudrait faire et c'est ce qui va se passer. Euh, je prends un exemple qui a été euh, un peu médiatisé quand même, je pense que ça va vous, vous faire sonner une cloche. Vous savez qu'il se trouvait que du 21 au 23 février, l'Ukraine faisait son premier test de phasage de ses réseaux électriques avec le réseau européen. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et du coup, comme la guerre a été déclarée, ils ont décidé de ne pas... Et que, le, et que leur, leur test a été concluant, ils ont dit bon, :« Bon, on va rester sur le réseau européen. » Voilà. Je, je, je crois que c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, il ne faut pas commencer à se dire « Est-ce que c'est une fédération ?» C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure sur les questions qu'on se pose. Est-ce que c'est fédéraliste, pas fédéraliste Non. Il faut faire ce qu'on fait, ce qu'a fait Jean Monnet, ce a... dire, dire :« Voilà, on a, au début, on a dit ben, :« Écoutez, on va faire le charbon et la cire ensemble. Voilà. » Je vous rappelle, je le dis souvent, souvent, souvent. Peut-être que je me répète, j'ai déjà dit dans cette salle. Au moment où on crée l'Union européenne, on n'est pas en paix avec l'Allemagne. On a signé les traités de paix, mais la Sarre est française. Le bas de Württemberg est une zone d'occupation où il y a des familles qui viennent s'installer. Hein, il faut voir les anciens de Baden Baden. Je suis originaire, hein, donc. Pardon. Je suis originaire du Baden Baden. Euh, euh, voilà, donc euh, vous savez très bien. Euh, voilà, donc euh, on, on est encore dans des dans des, dans des conflits de rue, quoi, enfin, euh, douchepec française, okay avant le avant le avant le référendum. Et c'est à ce moment-là qu'on crée ça. Donc, c'est l'Union européenne, c'est pas quelque chose qu'on fait entre entre bons amis, etc. C'est quelque chose qui se fait à partir de concrets. Et ben là, moi, je pense que il euh, y a des choses concrètes à faire dans les Balkans, il y a des choses concrètes à faire avec l'Ukraine, avec le Bélarus, et il faut partir de ça. Donc l'électricité, je dis, c'est la reconstruction, infrastructure, et c'est comme ça qu'il faut démarrer. Et après, comment on l'appelle, comment on fait ben, On commence par faire un truc, des euh, euh, ben réseaux électriques, moi j'ai toujours dit que les réseaux électriques, un réseau électrique, je dirais, euh, de manière européenne, phasé de manière européenne, ça pourrait être la CK du 21e siècle. Sabine la construction et l'intégration européenne. Oui, mais ça fait aussi un peu partie de la conférence sur l'avenir de l'Europe, d'une certaine manière, de revoir aussi les institutions, parce que ce qui nous pose problème aussi avec des États candidats ou futurs adhérents, c'est cette unanimité, par exemple, au Conseil. Plus qu'on est, plus que l'unanimité va être difficile à, à assurer. Donc là, il y a une, une rêve, vraie réflexion à avoir. On a aussi le problème, particulièrement aussi en France, avec euh, ben, nos citoyens, parce que moi je le vois. Moi, je suis dans une circonscription non transfrontalière, euh, où tout ça, ça paraît très loin. Les gens sont extrêmement frileuse par rapport à l'élargissement. Hein. Certains me disent même, oh ben, ça serait très, très, très bien si on pouvait revenir vers l'Europe des 6. Hein. Euh, ça serait quand même beaucoup mieux, on s'embêtera moins, euh, etc. Il y a ça aussi, parce que quand on parle d'appartenance, eh ben, il faut qu'on emmène quelque part tout le monde. Et nous, en France, en plus, on a un référendum hein, en cas d'adhésion euh, d'un euh, nouveau membre. Mais la réflexion elle doit être faite, parce qu'on doit se positionner maintenant dans un monde... Qui a changé euh, géopolitiquement. Euh, on ne peut plus, euh, je veux dire, se mettre la couverture sur la tête. Euh, ce qui concerne aussi les Balkans occidentaux, euh, si nous euh, on les intègre pas, euh, d'autres euh, vont prendre la place hein, et, et partout ailleurs aussi. Donc on va avoir, on va être obligé de, de réponser un peu euh, la structure. Hein. Très bien. Bon. Sabine Tillet, Frédéric Petit, je pense qu'on a un petit peu dépassé le, le temps qui nous était imparti, mais en tout cas, euh, ça a été très intéressant et je vous remercie infiniment de votre participation et, et de vos réponses en toute sincérité et j'ai l'impression pleine d'espoir pour euh, la construction européenne et puis pour l'avancée euh, dans ces dans ces prochaines. On n'oublie pas donc le 9 mai, la, la fête de l'Europe. On espère que ce sera une, une grande festivité et un, et un pied de nez euh, à, à, aux patriotes. Euh, le démocrate hebdo donc euh, se termine. Je vous salue et je vous remercie Merci et je vous dis à la prochaine.